Monsieur Ahmed Mouchtachi, directeur de l'École nationale supérieure d'art et métier. Monsieur Mohamed Hamlish, président de l'Association marocaine des objets connectés et systèmes intelligents. Distingués invités en vos rangs et qualités respectives. Mesdames et messieurs, honorables invités, soyez la bienvenue à cette conférence. Mesdames et messieurs, au nom du comité d'organisation, je voudrais vous réitérer nos sincères remerciements pour votre présence, marque de votre intérêt et de votre confiance pour notre seconde conférence nommée The International Conference on Smart Application and Data Analysis for Smart Cities. Merci pour votre soutien à ce grand rendez-vous qui réunit les chercheurs, les industriels et les décideurs pour partager, débattre des thématiques d'actualité comme les villes intelligentes ou smart cities. Cet événement phare est le fruit d'un grand travail collaboratif entre l'ensemble de Casablanca et l'Association des objets connectés et systèmes intelligents localisés à l'ensemble et en collaboration avec les partenaires que sont la région Casablanca Stat, les sociétés industrielles, nos sponsors, Afrique Domotique, Cerdelab, Comatic. Monsieur le directeur, chers professeurs, chers doctorants. Donc, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième édition de SADASC qui se déroulera en 12 jours et qui est le fruit de 11 mois de travail. Nous devons donc, durant ces deux jours, débattre et discuter les grandes actualités de la recherche scientifique dans le domaine des applications intelligentes et analyse des données pour les villes intelligentes, ces villes qui seront dotées de voitures autonomes connectées, de robots intelligents, de systèmes à énergie renouvelable et d'objets connectés capables de collecter et d'alimenter des bases de données en temps réel. On parle alors de Big Data et d'Internet des objets. Ces données seront préparées et analysées pour aider les décideurs à faire face aux différents problèmes qui peuvent apparaître, comme la prévention des maladies émergentes, le terrorisme ou le fléau de l'hooliganisme. Les informations collectées peuvent être mises à disposition grâce au cloud computing pour fournir un accès à distance. Chaque transaction ou acte fait par l'utilisateur durant cet accès à distance doit être enregistré et sécurisé. On parle donc de blockchain, chaîne de blocs. Technologie qui permet de stocker et transmettre des informations de manière transparente, sécurisée et sans organe central de contrôle. Nous avons là donc cité pas mal de technologies récentes, mais comme j'ai discuté avec mon cher ami M. Biljil Trash, que ce sont des termes qui sont à la mode tout simplement. Et ce qui reste finalement, ce sont les concepts techniques. Et c'est la base technique qui reste. Donc, je vous invite, chers doctorants surtout, à insister sur le côté concept, plutôt que d'aller par exemple, remplir vos articles et vos papiers avec des termes qui vont passer par le temps, d'accord ? Des termes qui ont beaucoup sonné durant des années qui ont passé, mais ce qui reste vraiment, ce sont les concepts mathématiques, les concepts techniques, etc. C'est ça la base. Nous souhaitons la bienvenue à tous les chercheurs, professeurs, keynote speakers, monsieur le directeur de l'INSAM, à cette conférence
la deuxième édition de Smart Application and Data Analysis for Smart Cities. Donc après la première édition qui a connu une très grande réussite en Agadir, cette année nous allons présenter cette deuxième session ici à Casablanca. Et donc avec le soutien de l'ensemble de Casablanca, de la région Casablanca Stats et de quelques entreprises telles que Afrique Domotique, Serdila, Bukumatech. Donc cette conférence va réunir des professeurs de renommée internationale qui vont présenter des conférences plénières concernant les nouvelles technologies de l'information et de la communication et des applications concernant les villes intelligentes. Donc nous encourageons nos chercheurs à aller débattre et réfléchir et discuter les thématiques les plus importantes et donc pour aider les décideurs régionaux et politiciens à faire face aux problèmes actuels tels que les maladies émergentes ou l'oliganisme ou le terrorisme. Et donc nous allons essayer durant ces deux jours de faire le maximum pour tirer profit des professeurs de renommée et d'avoir le maximum d'informations possibles pour donc améliorer la recherche scientifique. Nous signalons aussi que l'Association des objets connectés et systèmes intelligents, c'est elle qui organise cette deuxième édition. Et il va nous soutenir durant ces deux jours. Mais aussi la grande fierté de l'ensemble de Casablanca d'accueillir cette deuxième édition de la conférence internationale qui s'inscrit dans le cadre de la révolution numérique, même si j'avais souhaité que cette conférence était organisée à l'ensemble de Casablanca, sachant qu'à l'ensemble de Casablanca, nous disposons de beaucoup plus de moyens techniques. Donc cette conférence SADA SC 2018 s'inscrit dans le cadre de la dynamique que nous avions créée au niveau de l'ensemble depuis 2015, depuis l'avènement de l'industrie 4.0. En 2015, nous avions créé et mis en place un séminaire de sensibilisation des professeurs de l'ENSAM de Casablanca ainsi que les élèves ingénieurs, les étudiants, les doctorants, de l'importance et les défis que pose cette industrie 4.0, à savoir la révolution, la quatrième révolution industrielle, la révolution numérique et le web 3.0. Ensuite, nous avions créé, et pour sensibiliser les industriels marocains du Maroc, nous avions organisé un événement intitulé « Quelle place de l'industrie 4.0 dans le plan d'accélération industrielle marocain ?» Et cette année aussi, nous allons organiser deux journées avec les industriels et pour les industriels sur la sécurité des objets connectés, défis de l'entreprise du Maroc. Donc cette conférence est un succès, un grand succès qui vient couronner tous les efforts que nous avions entrepris à l'ENSAM. Donc, il y a aussi un autre projet que nous avions mis en place, à savoir la mise en place d'un master en recherche sur les big data et Internet des objets. Ce master, il était à l'époque unique au Maroc. C'est le premier master qui a été accrédité au niveau national. Et actuellement, nous sommes à la deuxième promotion. Donc, cette conférence a vu la participation d'un certain nombre de conférenciers invités des écoles de renom de France et du Portugal. Donc il a vu une participation massive des doctorants, des professeurs de l'université Hassan II et d'autres universités marocaines. Nous tenons à remercier notre président Sidriss Mansouri pour son soutien inconditionnel et son soutien continuel pour ce genre d'événement. Et nous continuons dans cette voie pour inscrire l'ENSAM de Casablanca dans le cadre de l'industrie 4.0 et nous essaierons de transmettre ce savoir, le savoir-faire de l'ENSAM de Casablanca vers l'industrie du Maroc. Merci. Alors comment ça se passe pour les 18 autres journées?
Merci beaucoup pour cette introduction. Donc d'abord, je tiens à remercier les organisateurs, c'est Hicham et c'est Mohamed, de m'avoir invité et de me donner cette opportunité de présenter mes travaux au Maroc. Donc pour moi, c'est mon deuxième pays. Donc j'adore venir ici. Il y a 15 jours, j'étais à Marrakech. Donc je viens régulièrement au Maroc. Donc je remercie Monsieur le directeur qui m'a reçu hier. Donc en tant que chair de cette conférence, SADA SC, de International Conference on Smart Application and Data Analysis. Donc après une première réussite de la première édition, ça c'était juste un workshop en collaboration avec une grande conférence nommée EXA. Donc on a pensé à organiser la deuxième édition, mais en tant qu'une conférence internationale. Donc la thématique, c'était intéressante, donc tout ce qui est en relation avec les smart cities et comment réaliser des applications intelligentes, comment concevoir des applications qui vont collecter des données par la suite, extraire ces informations. Ces informations vont être... on va mettre ces informations dans le cloud computing et par la suite, on va utiliser des techniques de machine learning. Donc c'est cette chaîne qu'on vise et par la suite, l'application de ces compétences, si vous voulez, de ces technologies appliquées dans les domaines de smart cities, la domotique et ainsi de suite. Donc, comme vous pouvez remarquer, donc notre conférence est une conférence internationale. Donc, on a invité des keynote speakers de haut niveau qui ont donné une ampleur à notre conférence. Donc les thématiques c'était intéressant, donc ça englobe tout ce qui est en relation avec les smart cities comme vous pouvez remarquer sur l'Eurolab, smart city, l'IoT and big data, tout ce qui est en relation avec la robotique. Donc je tiens à remercier le comité d'organisation. Donc cette conférence est organisée en collaboration entre l'association des objets connectés présidé par mon collègue Mohamed Hamdish et bien sûr en collaboration avec notre école, l'École nationale supérieure d'art et métier. Merci.